J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je ne vous ai pas fait de story aujourd'hui parce que on a passé une journée extrêmement compliquée. Je vous explique, j'ai récupéré Naya ce matin. Elle avait plus de 39 de fièvre, donc on est parti en urgence voir la pédiatre. Elle lui a refait un test sanguin. Ben, très honnêtement, il n'y a rien. Elle me dit qu'en fait le problème c'est ses dents. Donc voilà, elle tousse encore. Aujourd'hui, c'était le dernier jour de cortisone à donner. Franchement, c'est compliqué de la voir souffrir comme ça et de rien ne pouvoir faire. Donc voilà. Sinon, je voulais vous dire quoi. Monette a fini de travailler chez nous aujourd'hui. Donc voilà, on est en train de chercher une nouvelle nanny. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas forcément épiloguer sur les raisons de pourquoi on se sépare de Monette. Enfin voilà, je pense que c'est inutile. Voilà, je suis désolée, je suis très fatiguée. C'était une journée très prenante. Surtout quand on est impuissant face à la situation et de voir son enfant souffrir. Donc voilà, bref, je me fais un kiff là. Je prends soin de ma peau. Je vais mettre de l'huile ce soir dans mes cheveux. Et on va manger avec nos amis qui viennent manger à la maison ce soir vu que on n'a plus personne pour garder Naya. Je voulais vous dire quoi? Vous savez, hier j'ai demandé quelle astuce on pouvait faire pour que nos enfants se brossent les dents. La galère en fait. Hein. J'ai remarqué que tout le monde galère. Que c'est la merde chez tout le monde. Alors il y en a certaines, elles mettent leurs enfants devant YouTube. Parce qu'apparemment, Choupi, je crois, c'est ça, ils se lavent les dents, donc l'enfant fait pareil. Beaucoup d'entre vous se lavent les dents devant leurs enfants. Il y en a certains, c'est une réussite, et beaucoup d'autres, ça ne l'est pas du tout. Donc voilà, et il y avait quoi encore comme astuce? Ah oui, dentifrice à la fraise, je crois. J'en ai vu qui était à 91% naturel, donc plutôt pas mal. Et sinon, le gant, enfin le doigt, en mode brosse à dents. Donc voilà, je suis désolée, j'ai pas de solution miracle à vous apporter. J'ai pas la solution pour moi non plus. Et j'ai reçu aussi beaucoup de messages parce que PayPal ne marchait pas pour le e-book. Donc à partir de demain, normalement, vous pourrez recommander via PayPal les e-books. De toute façon, je vous laisse mon code promo qui est MEL50. Vous pourrez toujours l'utiliser demain. Voilà. Si vous avez des questions, comment télécharger votre e-book, si jamais, vous avez juste à aller voir la story permanente de Vincent. Il explique absolument tout dedans. Je m'en suis mise partout.